Salut à tous. Non, ce n'est pas Tom Cruise, c'est Victor pour la Caverne du Ciné. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du troisième volet de la saga Mission Impossible, en attendant le numéro 7 qui sort, je vous le rappelle, au mois de juillet. Donc, c'est l'instant révision. Attardons-nous cette fois sur le numéro 3 de la saga sorti en 2006, qui est sobrement intitulé Mission Impossible 3. Après, ce sera fini, il y aura après des très très longs titres. Bon, alors, un troisième volet dont la genèse fut extrêmement compliquée, tant ce film a accumulé clairement des faux départs. Ça commence en 2004, David Fincher est contacté par la production, on le veut comme réalisateur, et lui il est ok, il commence à s'atteler au projet. Il voudrait mettre en place une histoire de trafic d'organes et il décide de choisir Stallone en grand méchant. Mais cette version ne passe pas auprès de Tom Cruise et du coup, vous connaissez David Fincher, c'est un cinéaste sans concession. On l'a vu surtout depuis son expérience avec Alien 3. Il en a marre et il décide de claquer la porte. Le film ne se fera pas avec lui. C'est pas grave. La production va aller vers un certain Joe Carnahan, qui est connu pour avoir réalisé entre autres le film Narc, Le Territoire des Loups, où c'est encore lui qui est derrière aussi la série The Blacklist. Il s'attelle au projet et lui, il veut Kenneth Branagh au niveau du méchant. Il va vouloir aussi, il va y avoir aussi donc Carrie Anne Moss, vous savez, Trinity dans Matrix, Scarlett Johansson, je ne vous la présente plus. Et même Thandie Newton, qui donc du coup serait de la partie. Mais après plus de 15 mois de développement, clairement le torchon brûle, il y a encore un désaccord artistique, et Joe Carnahan claque la porte. Voilà. Alors on pourrait se dire, le film à ce stade, il semble maudit, mais c'est mal connaître Tom Cruise. Tom Cruise, il est déterminé, il veut le sortir son troisième volet, et il va aller du côté d'un réalisateur dont il va découvrir par hasard la série Alias, et il va adorer cette série. Il veut savoir qui est le showrunner derrière, et il se trouve que c'est J.J. Abrams, qui sera ensuite connu, vous le savez, pour, entre autres, sa participation à Star Wars. Et puis, connu aussi pour sa série Lost, qui voilà, a fait vraiment un véritable carton. Alors, J.J. Abrams, il accepte la proposition, il n'y a pas de souci, mais il a voilà, des engagements auprès, bah, justement, notamment de ses séries, quoi. Le petit problème, c'est que le casting qui avait été imaginé sous Joe Carnahan va en fait, trouver fin ici, puisque les acteurs en ont marre d'attendre, et du coup, ils vont décider de lâcher l'affaire. C'est pas grave, on va aussi changer le casting. Kenneth Branagh, du coup, laisse le rôle à Philip Seymour Hoffman. Le non moins talentueux et regretté Philip Seymour Hoffman. Thandie Newton, elle décide d'abandonner aussi la proposition. Elle en a un petit peu marre de tout ça et elle veut se rapprocher de sa famille. Et il va y avoir une équipe complètement renouvelée, dont deux rôles féminins, dont le premier, ça va être donc du coup la femme de Ethan Hunt, Julia, qui va être attribuée à l'actrice Michelle Monaghan. Et il va y avoir aussi une habituée de l'univers de J.J. Abrams, Kerry Russell, qui du coup va jouer le rôle de l'agent Lindsay Faris. Au niveau de l'équipe de Mission Impossible, on va retrouver le très bon mais qu'on ne voit pas assez, Jonathan Rhys-Meyers, Ving Rhames, qu'on a pu voir dans tous les Missions Impossibles puisque c'est l'acolyte fétiche d'Ethan Hunt, et Laurence Fishburne qui joue un des supérieurs de Hunt qui est très très bon, et aussi la première apparition de Simon Pegg. Qui va du coup ici faire un tout petit rôle, mais ça va être le commencement de sa participation à la saga. Le tournage, il commence en 2005 à Rome, et clairement, ce film, il va faire à peu près comme tous les autres Missions Impossibles, le tour du monde. Il va aller en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, et il va même faire un tour par l'État le plus secret du monde, le Vatican, ce qui va d'ailleurs donner lieu à une scène plutôt marrante avec Tom Cruise qui va, je pense, qui fait clairement allusion voilà,
et prend en autodérision sa participation à la scientologie. Enfin, je n'en dis pas plus, vous verrez la scène et vous l'interpréterez comme vous voulez. Bien, que va raconter ce film après un numéro 2, clairement en demi-teinte? On en a parlé dans la dernière vidéo, et surtout au scénario qui allait un petit peu n'importe où. Voilà. Clairement, c'était un peu abracadabrantesque. Ouh là là, c'est pas facile à dire ce mot-là. Eh bien, le 3, c'est simple, il revient à de l'espionnage pur et dur. Encore que, est-ce qu'on peut dire pur et dur? Bon, allez, on va faire vite fait le synopsis. Ethan Hunt, dans ce numéro 3, il a quitté le service actif de Mission Impossible. Ouh là là, ça me fait penser à un certain James Bond dans un certain film, peut-être le dernier. Enfin bref, voilà, Papy Hunt, il se met à la retraite, mais attention, il forme quand même des agents. Voilà. Lui, il n'a pas été conspué comme Bond l'a été du MI6. Lui, il a toujours sa place dans la force Mission Impossible et il forme de nouveaux agents. Mais il y a un bug. Alors, avant de parler du bug, on va parler déjà de la situation familiale d'Ethan Hunt. Eh bien, il a une épouse qui s'appelle Julia, et dans une des premières scènes du film, on le voit faire la fête avec voilà, les amis de sa femme, la famille, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment un mec heureux. On n'a pas envie qu'il lui arrive malheur. On se demande même pourquoi on nous a refait Mission Impossible pour nous montrer Hunt dans une situation aussi cool. Mais non, on est dans Mission Impossible, justement. Et il va lui arriver des bricoles. Et oui. Donc, Lindsay Faris, qui est sa petite protégée et qui est clairement le meilleur élément de toute la force Mission Impossible, de toute l'agence, elle va aller à Berlin pour espionner sur un certain Owen Davian. Et il se trouve que lui, il est très 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 méchant. C'est un très dangereux trafiquant. Et malheureusement, elle va être capturée. Elle est en très mauvaise posture et cela va obliger Ethan Hunt à repartir en mission. Lui, il n'a pas très envie, mais c'est quand même sa protégée. Donc, il va vite fait se faire sa petite équipe, une toute nouvelle équipe qui n'a plus rien à voir avec celle du premier, j'en parle pas, ni celle du deuxième d'ailleurs. Si, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, son acolyte de toujours, Vingrenz. Donc, du coup, Luther, si vous préférez. Il va aller à Berlin, il va tenter de sauver l'agent, mais il va y avoir clairement un problème. Le sauvetage ne va pas se passer comme prévu, et malheureusement, Lindsay Faris ne s'en sortira pas. Hunt, il est fou de chagrin et de rage, et c'est là que va commencer clairement le film. Il va vouloir traquer Owen Davian, parce que Owen Davian, il est vraiment pas gentil. Et en plus, il y a une histoire de patte de lapin. Et on ne sait jamais ce que c'est cette patte de lapin, mais clairement, voilà, c'est un peu l'objet totem du film, c'est l'objet qui retient toute l'attention des espions. Hunt, dans un premier temps, il croit qu'il a la main sur Owen Davian, puisqu'il arrive à l'arrêter au Vatican, mais c'est mal connaître notre nouveau méchant, puisque Owen Davian réussit à s'échapper, et là, il va clairement en faire baver à Hunt, qui va perdre, ou en tout cas avoir la sensation de perdre beaucoup plus qu'il ne le croyait. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai même assez dit. En salle, le film il est vraiment bien accueilli niveau critique. Au box-office, il fonctionne sans cartonner pour autant, et il réalise en France quand même le score le plus faible de la saga. Bon, que vaut ce troisième volet? Eh bien, il est bon et il revient aux fondamentaux de la saga. De l'espionnage, des trahisons et un suspense savamment dosé. On délaisse l'action grand guignolesque du 2 pour revenir à un film plus sobre, mais malgré tout divertissant. Il ne brille pas non plus pour ses scènes d'action, contrairement aux autres volets de la saga, mais il y en a quand même deux très bonnes. L'évasion de Davian sur le pont et le saut d'Ethan Hunt sur le gratte-ciel à Shanghai. Ce film, pour moi, il a le meilleur méchant de la saga. J'ose le dire, dès le générique d'intro dénué de musique glaciale, on fait face à un Owen Davian qui est complètement fou.
qui est méchant à souhait, et laissez-moi vous dire qu'il va le balayer d'ailleurs tous les autres méchants, clairement, les méchants précédents en une seconde, et même, je dirais, les méchants suivants. Franchement, Philip Seymour Hoffman, il est magistral dans le rôle. Il en fait un ennemi de Hunt complètement redoutable et insaisissable. Ses apparitions sont dantesques et constituent l'énorme point fort du film. Et puis, clairement, ça fait du bien de voir Tom Cruise dans une position plus humaine que d'habitude, vulnérable par rapport à la situation, aux différentes situations qu'il va vivre. On peut regretter que le film se concentre encore un chouïa sur une amourette un petit peu niaise entre, là cette fois, Ethan Hunt et sa femme Julia. Mais force est de constater que ça fonctionne. C'est un volet beaucoup plus sombre, en témoigne la scène ch choc de la mort de l'agent Faris. Les seconds rôles y sont charismatiques, Fishburne en premier, l'équipe de Mission Impossible, elle est charismatique. La réalisation de Abrams, elle est assez impersonnelle. D'ailleurs, à l'image de ses Star Wars, enfin moi je trouve, mais elle est diablement efficace. Le bonhomme fait le job et privilégie le suspense plutôt que l'action XXL. Tom Cruise prouve dans cet opus qu'il sait faire autre chose que faire le malin sur une grosse moto qui passe des flammes. Il va s'en sortir, comme d'habitude, là je ne vous spoile rien, mais il va quand même se prendre des coups. Il va pas forcément bien le vivre. On peut dire que ce volet, il marque un tournant dans la saga. Après, il faudra attendre encore longtemps avant d'avoir un quatrième volet. Je ne vous en parlerai pas. Je laisserai Fred vous en parler dans une quatrième vidéo. Je vous fais des gros bisous et j'espère vous retrouver bientôt pour reparler avec vous de cinéma. Nous continuons à évoluer dans la caverne du cinéma. On s'amuse toujours autant et on espère vous retrouver nombreux. Allez! Salut!